Au ministère de l'économie numérique, l'ambassadeur de Chine au Gabon a été reçu par le membre du gouvernement. Les questions d'intérêt commun ont été abordées, suivant ce compte-rendu d'audience signé Daniel Bouka, Cédric Zendon. Le ministre de l'économie numérique s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine au Gabon sur la possibilité d'étendre le réseau Internet sur tout le territoire national. Si je vois Monsieur le ministre, c'est pour parler également de sa participation à une réunion importante concernant le développement et la coopération dans le domaine d'Internet, donc entre la Chine et les pays africains. Donc j'ai lancé cette invitation officiellement à son Excellence Monsieur le Ministre et lui il a accepté de participer à cette réunion donc sino-africaine. La dite réunion est en prélude au sommet de septembre qui se déroulera les 2 et 3 avril prochains à Xiamen dans la province de Fujian à laquelle sont invités 4 pays africains dont la RDC, le Cameroun, le Cap-Vert et le Gabon. Cette année ce sera une grande année. Des relations entre l'Afrique et la Chine. Nous allons organiser un sommet du forum sur la coopération sino-africaine en automne, c'est-à-dire au début de septembre à Beijing. La Chine va inviter également donc son Excellence Monsieur le Président de la Transition ainsi que des ministres à participer à ce sommet. Il y a plusieurs sujets thématiques concernant le développement et la coopération d'Internet, l'économie numérique. L'ambassadeur a saisi cette occasion pour annoncer officiellement son retrait définitif du territoire national, mais a rassuré du suivi du dossier pour que la coopération sino-gabonaise soit toujours sous ses beaux jours.